Oof, thank you, Father. Voilà, bonjour. May the Lord bless you this morning. We love you so much. May His grace remain upon your lives and your families this morning in the name of Jesus. Voilà, nous sommes à Douala pour le grand. La grande campagne de 3 jours ici à village Harry, entrée dépôt Guinness. Ce sera à partir de ce soir, donc mardi, mercredi, jeudi. Tous les soirs à partir de 17h. Nous sommes déjà dans la ville de Douala. Et vous connaissez Douala avec les embouteillages, c'est énorme. Mais nous rendons grâce à Dieu qui nous a portés en route dans la sécurité et qui nous a amenés jusqu'ici. Bonjour à mon fils architecte Romain, bonjour à Eliafa. Bonjour à Nadine Tchakunte, Kunta Kinte. Bonjour à Afoué Florentine Kwasi. Bonjour à Balotelli. Ah, ça c'est un nom terrible. Que Dieu vous bénisse. Romuald Tinda. Bonjour papa, ton fils Romuald. Romuald, vous allez bien. Bonjour à Darel Manga. Donc nous sommes dans la ville de Douala déjà. Et je vous assure que ça sera très fort pendant ces 3 jours. Donc ne manque sous aucun prétexte. Sois présent. Si tu es à Douala, dans ces environs, soit présent. Donc, mets ce programme en priorité dans ton agenda. Ne manque pas, Dieu veut te rendre visite. Un prophète voyant est dans la ville. Le Seigneur dénoncera les œuvres secrètes de l'ennemi dans ta vie. Et des révélations énormes sortiront. Dans tous les cas, je fais confiance au Saint-Esprit parce qu'il est fidèle. Il est vivant au milieu de nous. Lui qui nous a appelés en Jésus-Christ. Par la mort duquel nous avons été rachetés, nous qui n'étions pas un peuple, aujourd'hui nous sommes le peuple de Dieu. Donc ne manque sous aucun prétexte, quel que soit ton problème, quel que soit tes défis, s'il te plaît, je t'en supplie, à genoux. Sois à village Harry, entrée dépôt Guinness, village Harry, entrée dépôt Guinness, nous sommes dans la ville de Douala. Ne manque sous aucun prétexte, je t'en supplie. Si tu aimes ta vie, si tu crois en Dieu, tu veux passer du temps dans sa présence, pour ceux qui travaillent, qui sont dans les marchés, font dans les affaires, soit là à 17h. Fais tout pour fermer ta boutique avant. Consacre ces 3 jours à Dieu et laisse le Seigneur assainir ta vie. Laisse-le toucher ta vie. Donc j'ai hâte de te retrouver. Si tu es malade, viens, on va prier ensemble. Le Seigneur te guérira. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, avoir une orientation prophétique dans ta vie, sois là. Et toi qui me suis en direct, que Dieu te bénisse. Quel que soit ton pays, quelle que soit ta nation, quel que soit le lieu où tu es en train d'écouter, sois connecté ce soir à partir de 17h. Ne manque sous aucun prétexte, s'il te plaît. Sois connecté. Et pendant que tu le fais, le Seigneur te bénira. Tous ceux qui seront connectés seront bénis. Vous voyez, Dieu agit fidèlement au milieu de nous. À distance, les gens reçoivent leur guérison, leur miracle, leur délivrance, leur visitation divine. Donc fais tout pour être présent. Et pendant que tu le fais, le Seigneur te bénisse qui pourvoit tous tes besoins dans le nom de Jésus. Donc rendez-vous à partir de ce